crois qu'il est connu à ce nom, ce monsieur. Il est connu parce qu'il y a pas mal de temps qu'il est là. Moi, ça fait, je sais pas, je dirais bien 5-10 ans que je vois ce monsieur. Ah oui, quand même, bien 10 ans que je le vois, ouais. Je l'ai déjà vu, moi, une fois, mais je sais qu'il y a des mamans qui viennent souvent. Donc, elles m'en ont parlé le jour où il était là et que j'étais là aussi. Et donc, il était souvent là le matin. Ben, leur réaction, est-ce que c'est un fou? Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que la mairie est au courant? Des trucs comme ça. Mais on commence à leur expliquer son cas. Et avec le temps, bon, ils se commencent à se familiariser avec lui, quoi. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais ça fait quand même quelque temps qu'on le... Oui, ça faisait un petit moment qu'on ne le voyait plus. Qu'on ne le voyait plus, quoi. Après tous les travaux qu'il y a eu là. Il a passé 6 ou 7 mois où on le rencontrait beaucoup moins, quoi, sur le parc. Et puis là, depuis quelque temps, on l'a revu, là. Une chose est certaine, c'est qu'il n'est pas frileux. Est-ce que vous pensez que ça puisse déranger des gens? Ah, ça... possible. C'est possible. Mais je trouve que c'est un peu bizarre. Oui, c'est ce qu'on a pensé quand il était là-bas, c'était plutôt ça. Hein. Il faisait des gestes plus. C'était plus secoué, quoi. Plus saccadé. Que là, bon, c'est déjà plus. C'est peut-être à l'âge aussi, peut-être qu'il fait ça, je ne sais pas. Autrement, on ne le connaît pas plus que ça. On l'a jamais. On s'est jamais adressé la parole, hein, mais bon. Pour le troisième âge, oui. Pour les jeunes, bon, ils sont là pour quelquefois rigoler, ricaner un petit peu, quoi, mais sans plus. Ben c'est, oui, effectivement, c'est bizarre parce que bon, il danse tout seul, il est dans sa bulle. Bon, il fait sa gymnastique très personnelle. Ça paraît un petit peu curieux, quoi. Voilà, et quand on interroge les gens autour, notamment les gens âgés qu'on peut rencontrer comme ça, qui connaissent le parc, ben, ils nous disent, ben oui, un peu particulier. Quoi. La première fois que vous l'avez vu? Ben, ça m'a un peu surprise. Oui, parce que comme il fait des mouvements un peu saccadés, un peu n'importe comment, et c'est après que j'ai réalisé qu'il a la musique, et puis mon mari m'a expliqué qu'il le voyait souvent, et puis qu'il faisait son petit truc, quoi. Et vous, la première fois que vous l'avez vu, vous avez... Bon, on est surpris, quoi, on rigole, c'est vrai que ça fait rire, quoi. Puis lui, il sait qu'il est tellement dans son truc, il regarde rien du tout, et... Il fait rire, quoi, c'est clair, il y a que ça. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai, la première fois, j'ai été surprise. Et puis mon mari m'a dit, mais tu sais, il y vient, je crois, tous les jours. Et tous les jours, il fait ça, alors bon, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que c'est qu'on trouve surprenant? Eh bien, quand on n'entend pas la musique, qu'on voit ce monsieur gesticuler, bon, ben c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est malade ou il y a quelque chose? Puis après, bon, c'est son truc. Thank you.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit la première fois que vous l'avez vu? Il était malade. Hein. Il lui manquait une case. Hein. Et aujourd'hui? Plus ou moins, oui. Il est toujours comme ça. Il n'a jamais de survêtement. Hein. Il est toujours comme ça, en short, hein, et puis pieds nus. Maintenant, bon, on apprécie ou on n'apprécie pas. Avant, il était derrière, tout à fait au fond. Je trouve que sa place était mieux là-bas. Pourquoi? Parce que c'est pas très esthétique. À la vue, là, à l'entrée du parc, ça. Puis alors, sans souci, effectivement, du candidaton, quoi. Je m'exprime, point barre. Je dirais qu'il est en train de faire une sorte de gymnastique. Une sorte, parce que... Une fois, c'est du yoga. Hein? C'est pas moi. Je suis étonné que quelqu'un puisse faire des séances de culture physique très déshabillé dans le parc, mais du moment qu'il le fait, c'est que ce doit être autorisé. Il y a des hautes instances à ce nom qui savent ce qu'ils ont à faire. C'était bien là-bas derrière, avant, parce que c'est pas très esthétique, à la vue, là, à l'entrée du parc. Je trouve que c'est un peu bizarre que ça soit fait dans un endroit... comment dit-on, public. De la gym, on peut dire. Une gymnastique un peu spéciale. Eh? Une chose est certaine, c'est qu'il n'est pas frileux. Maintenant, bon, on apprécie ou on n'apprécie pas. Avant, il était derrière, tout à fait au fond. Je trouve que sa place était mieux là-bas.